allez bien, nous aujourd'hui on va faire une nouvelle vidéo sur les droits des femmes. Alors on est mercredi. Mercredi. Ouh, 8 mars 2023. La journée internationale du droit des femmes. Les droits des femmes. C'est la journée internationale des droits des femmes. Ben on est, c'est le droit des femmes. La journée des droits des femmes. Ouais. Journée internationale du droit des femmes. Dans le temps, c'était la première. Les premières femmes à voter. Non ? Je sais plus. Les femmes ont le droit de faire ce qu'on veut. C'est une journée où on dit merci aux femmes pour ce qu'elles font, je crois. C'est-à-dire que les femmes, elles ont le droit de faire toutes les choses que d'autres jours. Les femmes ont plus l'autorisation de faire des choses comme les garçons y font. Genre voter par exemple, il n'y avait que les gars qui le faisaient avant. Ouais, mais je crois aussi qu'elles manifestent un truc dans le genre. Je sais pas. Je sais pas, c'est notre humain. Bah c'est moi, mais plus grand. C'est pas moi. C'est une personne, mais avec un sexe différent. Avec un différent? Non. Bah non, il y a aussi des gars qui ont des cheveux. Une femme, c'est une mère, c'est une fille, etc. Ah, c'est grâce aux femmes qu'il y a des gens sur la terre. Bah, on sait pas non plus. Genre, je sais pas expliquer, moi. C'est un mec, c'est l'opposé d'une femme. Et qui donne la vie, enfin qui aide à donner la vie aux gens. C'est la même chose, mais pas exactement. C'est le contraire de la femme. Non, pas vraiment. Mais si. Parce que ça reste un être humain. Ah oui, alors j'ai une très belle. Alors tout le monde dit que les femmes, c'est à la place de la cuisine. Les femmes, elles sont dans une cafère de ménage. Ouais, le rose c'est pour les filles, le bleu c'est pour les gars. Par exemple. Genre moi j'aime bien le bleu. Les gars ils disent la place de la femme c'est à la cuisine. Bah s'occupe des bébés. Oui. Par exemple les femmes c'est pour la cuisine et les hommes c'est pour travailler. Donc ça comme par exemple si on dit le rose c'est pour les filles et les gars c'est bleu. Ah oui, alors les garçons ils sont toujours vénères et les filles bah ils sont sympas, tu vois, tranquilles. Je suis pareil, t'as fait des vénères. Les gars, ils scotchent la télé. Ouais, les hommes sont supérieurs. Ils sont toujours dehors. Non, ils sont toujours à l'écran. Ils sont dehors. Les deux. Non. Non. Ah non, il y a aussi un truc où on dit les hommes, c'est bête et c'est intelligent. Non. Si un garçon il joue avec une poupée, c'est pas grave. Je pense que quand on dit ça sur les femmes, en fait ça nous revient à nous aussi. Si on le dit, c'est pour rigoler, genre. Les filles elles ont le droit de faire du foot, elles ont le droit de faire du rugby, tout ça. Regarde moi ma petite soeur, maintenant elle joue voiture, elle joue pas aux poupées. Et les garçons on peut faire de la danse. Ouais, c'est un peu de la justice en fait. Non, mais c'est comme si on se moquait d'elle en fait. En fait, tous les. Alors, les filles, elles ont le droit de tomber la pelouse, faire du jardin. Elles vont les jouer au foot avec des gars. Sauf qu'il y a un jour, elles nous ont refusé parce qu'ils ont dit que c'était que pour les gars. Un sport que pour les gars. En sport, moi je sais, on ne passe jamais la balle parce que les garçons, ils se la passent tout le temps entre eux. Qui se moquent des garçons qui font de la danse. Moi j'en ai fait de la danse. Genre on voulait jouer au foot avec eux, mais sauf qu'ils voulaient pas parce qu'on était des filles. Ah bah oui, bah ça c'est normal. C'est normal. C'est toujours les garçons. Ah c'est le caractère. Nous, jamais. On peut faire du foot même si on est des filles. Mais si ils disent non, bah on va quand même. Si on est motivé, bah ça pose un problème. Si on n'est pas motivé, on s'en fiche un peu. Nous, on a une bande de filles, une bande de gars. Et il y a une autre qui est au milieu des deux.
Et en fait, Elliot, il traîne. Soit il traîne avec les garçons, soit il traîne avec les filles. Mais des fois, il y a des jours, bah, on ne sait pas pourquoi, on joue mixte, quoi. Le harcèlement, les sports où les hommes pratiquent plus et l'accouchement, il est réglé. Bah si, l'accouchement du coup. Se faire respecter. Ouais, peut-être. Regarde nos mamans, ils ont bien subi l'accouchement, non? De s'accepter les uns les autres. Enfin, de s'accepter avec les garçons. Genre, on va tout le temps juger une fille, hein. c'est un classique. Bah souvent, les hommes, bah en fait, ça fait un peu le chef de la maison. Et la maman, bah c'est un peu l'assistante. C'est pas les gars qui vont garder 9 mois dans leur ventre. Alors, si j'étais président, je dirais que tout le monde a le droit de faire les mêmes choses. Et que là, les hommes, là, les femmes... Je vais respecter. Mais c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, hein. Ma mère, tout simplement. Ma maman. Parce que elle a pris le courage de me mettre au monde. Parce que j'ai une grosse tête quand même. Moi. Oui, je comprends. Ça m'inspire parce qu'elle est comme ça et comme si elle faisait les règles. Et du coup, ça a peut-être inspiré des gens qui pour faire une femme, c'est intelligent, tout ça, il faut la garder, il faut qu'elle soit les mêmes règles que les hommes, tout ça. Voilà. Ah si, maman, non. Elle est courageuse aussi. Dalida, si je connais pas, une chance aux autres. Dalida, elle était égyptienne et elle a fait des chansons. Ma mère, parce que je pense que ça doit être dur de nous garder. Voilà. Moi, c'était dans une ville, ils devaient être voilés et elle a enlevé son voile comme ça, mais je sais pas c'est qui. Toutes les femmes en fait. Avec vous.